Paco. Paco. Emmène-moi chez Vuitton. Eh, emmène-moi chez Vuitton. 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 Remplace-toi. Mais pas toi. Prends la profondeur. À l'opposé. Le frappe, putain. Pour qu'il la chante, la Marseillaise, parce qu'il représente les valeurs, l'image, l'identité de la France. Pourquoi pas le Qatar? 600 000 de salaire, je te dis, 5 millions à la signature. Champion, demain, chez Angle, je veux te voir. On va parler sérieux avec mon ami financier. Mais t'inquiète pas, il y aura des petites. Frère, j'ai une galère là. Tu peux me dépanner 15 000 euros? Pour toi, c'est rien, c'est rien. C'est quoi qui te fait hésiter pour le Qatar? Les rebuts, ils sont chauds là. Paco, tu sais qu'on doit reparler de la pension des petits. On ne voit plus au quartier, t'as changé, espèce de petit enchaîné. Merde, sans pas les couilles, tes places là. Et tu nous as pris pour des petites putes ou quoi? C'est un vrai rêve. Fais tomber ton Cayenne là, rêve. Paco n'a plus marqué depuis 8 mois. Dans 2 jours, c'est peut-être sa dernière chance avec l'équipe de France. But de l'équipe de France. C'est pas le mec de Paris Match, c'est pas moi, ça déchire. Non, c'est Sophia. Moi. Sarah, c'est toi. Tu m'offres les joueurs de foot. Les footballeurs, c'est mon fantasme. Avec une équipe de France, avec des caïds immatures. Eh, hey, t'es carbone. Ça roule en Porsche, le mec, t'avances pas sur le terrain. Oh, rien. Les voleurs, bah, en plus. Paco. Avec l'évaluation. Eh bien, il a été mauvais, comme d'habitude, et je dis que ce joueur n'a plus rien à faire en équipe de France. Avec la Victa, t'auras jamais la garde. Papa. Mais tu penses toujours qu'à ta gueule. Papa. Papa. Pourquoi tu joues pas avec moi? Papa. Papa, tu c'est quand tu viens me voir, c'est pas juste. Papa! Tu finiras seul. Tes connasses là, tes gratteuses, tes larbins clasheront tous!